Je suis sûre et certaine qu'après avoir regardé cette vidéo, vous aurez une envie folle de la partager à toutes les personnes qui comptent pour vous. Jusqu'à hier soir, je vous présentais encore les effets miraculeux du gingembre, autant pour l'utilisation en interne que pour notre peau. Bien, ce matin, je viens vous parler de quelque chose dont je suis sûre vous fera grand plaisir et viendra sublimer votre vie. Non seulement c'est très facile à réaliser, mais elle va arranger beaucoup de problèmes pour certaines d'entre vous. Comment fabriquer votre crème au gingembre afin d'enlever toute la pigmentation, toutes les taches brunes et toutes les cicatrices d'acné sur votre visage? Cette crème au gingembre est également une crème anti-âge, une crème éclaircissante, naturelle et bio, faite à la maison. Coucou mes amours, je vous souhaite comme toujours la bienvenue sur votre chaîne Marie-Léonie Coach. Vous savez que c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous parler. Pour ceux et celles qui sont juste de passage par ici ou alors qui regardent ma vidéo pour la première fois, alors abonnez-vous sur cette chaîne, c'est gratuit. De plus, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche en choisissant l'option toutes afin que chaque fois que je mette une vidéo en ligne, vous soyez immédiatement notifié. Maintenant, je souhaite encore et toujours la bienvenue à tous ceux et celles-là qui ont récemment rejoint cette belle communauté Marie-Léonie Coach. Vraiment, je ne peux que vous accueillir à bras ouverts en vous demandant de vous installer confortablement. Faites comme chez vous. Seulement, ce serait gentil de votre part de me faire un petit coucou dans les commentaires en mentionnant votre pays depuis lequel vous me soutenez, car j'aime savoir la communauté qui me regarde diversifiée. Merci à vous tous qui me faites confiance. Je vais continuer de travailler dur pour vous satisfaire. Comme je le dis toujours, tout ce que vous me demandez en termes d'astuces, je note et je n'oublie pas. Alors, mes chéris d'amour, vous m'avez parlé des problèmes d'hyperpigmentation, de taches sur le visage, de noirceur sur le visage, sur le cou, d'acné, de peau très sèche et j'en passe. Alors aujourd'hui, je vous présente une crème réparatrice au gingembre pour vous, mes chéris. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Sans plus tarder, on va se lancer dans la recette. Bien, mes amours, pour cette préparation, nous aurons besoin du gingembre frais que voici, du miel, de l'huile d'amande douce, du gel d'aloe vera. Comme vous connaissez déjà comment fonctionne votre coach Marie-Léonie, alors je vais vous dire un peu ou alors très brièvement, pourquoi est-ce que je prends ces ingrédients pour vous fabriquer cette crème au gingembre. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mes amours, donc je vais commencer par le gingembre. Le gingembre, je vous l'ai déjà dit, le gingembre est un excellent exfoliant naturel. C'est un puissant raffermissant et un puissant anti-rides. Combat la cellulite, utilisé contre les pellicules et favorise la pousse des cheveux. Bref, le gingembre a conquis la salle de beauté grâce à ses propriétés cosmétiques. Ensuite, mes amours, le miel. Le miel, déjà, si vous regardez l'une de mes vidéos, vous verrez que je mets du miel dans mon traitement pour mes cheveux. Les vertus du miel sont reconnues depuis des millénaires. Durant l'Antiquité, les femmes utilisaient le miel pour rendre leur peau plus belle et plus douce, tandis qu'à l'époque, les médecins l'incluaient dans leurs soins. Ce produit 100% naturel est un allié beauté, indispensable. Parmi les vertus les plus reconnues du miel, son pouvoir hydratant est particulièrement prisé pour tout type de peau. Enrichi en sucre naturel, le miel fond sur l'épiderme pour enrichir, hydrater la peau en profondeur. Il maintient le taux d'hydratation de la peau pour prévenir la sécheresse cutanée. Le miel peut être utilisé autant sur le visage que sur le corps, car il constitue un soin hydratant. Ensuite, nous avons la huile d'amande douce que j'ai achetée en pharmacie. Je vous l'ai déjà présentée plus d'une fois. Pourquoi l'huile d'amande douce? Tout simplement parce que cette huile hydrate, protège la peau et même les cheveux. Elle apaise la peau, lui redonne vigueur et éclat. Elle soulage les irritations, la pigmentation et les démangeaisons. Cette huile est très nourrissante. Elle est parfaite en cas de gerçure ou de peau desséchée. Eh mes amours, de peau desséchée. Elle est également utilisée comme en prévention des vergetures. Enfin, on ne parle même plus alors du gel d'aloe vera, car l'aloe vera est une véritable bombe médicinale, autant pour la peau que pour le corps. Je vous ai longuement parlé de cette plante dans l'une de mes vidéos que j'ai mise en ligne en début de semaine, mais on reviendra dessus autant de fois que possible. Mais pour aujourd'hui, mes amours, nous savons déjà tout ce que cette plante d'aloe vera, c'est une bombe médicinale. Alors mes amours, on se lance dans la préparation de notre crème au gingembre. Nous allons commencer par extraire le jus de gingembre. Pour cela, nous allons le râper et en extraire le jus. Pour l'extraction, vous pouvez utiliser soit vos mains, comme moi je vais utiliser mes mains tout de suite, ou alors utiliser un tissu blanc bien propre pour presser le jus.
Voilà notre gingembre que nous avons râpé, mes amours. Ensuite, nous allons donc extraire son jus. Voilà, mes amours, nous avons extrait une quantité importante de jus de gingembre. Mais nous avons juste besoin d'une cuillère, ok? Le reste, vous pouvez faire votre thé au gingembre avec, en ajoutant du miel et du citron. Voilà, nous avons mis une cuillère de gingembre dans notre bol. Ensuite, mes amours, nous allons ajouter une cuillère de miel. Voilà, nous avons ajouté une cuillère de miel. Il faut juste remuer d'abord comme ça. Voilà, après avoir ajouté une cuillère de miel, mes amours, nous ajoutons une cuillère d'huile d'amande douce. Voilà, nous avons ajouté une cuillère d'amande douce. Cette fois, il faut bien remuer, mes amours. Ensuite, mes amours, nous allons ajouter 2 cuillères de gel d'aloe vera. Mes amours, il faut bien mélanger afin d'obtenir une crème. Cette crème doit être moyenne, mielleuse et crémeuse, comme vous voyez là, ok? Regardez. Voilà, elle ne doit pas trop peser, elle ne doit pas être très liquide. Voilà, c'est ça. Bien, comment est-ce que vous devez conserver cette crème? C'est très facile. Vous devez conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 15 à 20 jours. Un récipient comme ça. Cette crème au gingembre, mes amours, est une solution naturelle maison à utiliser pour tous vos problèmes de peau. Elle contient tous les ingrédients qui fonctionnent à merveille sur votre peau. Ma chérie, cette crème va rendre ta peau claire, tonique, sans défaut, impeccable, brillante et radieuse. Le gingembre contient environ 40 composés antioxydants qui protègent et luttent contre le vieillissement de la peau. Mes amours, cette crème améliore l'apparence de votre peau en enlevant les toxines et en stimulant la circulation, entraînant ainsi la livraison de plus de nutriments à la peau. Les antioxydants qu'elle contient empêchent les dommages des radicaux libres et préservant ainsi la peau jeune. Cette crème améliore l'élasticité en rendant votre peau plus ferme et plus jeune. De cette façon, elle ralentit les signes de vieillissement. Elle est un antiseptique puissant et un agent nettoyant car le gingembre aide à garder la peau propre et sans tache. C'est aussi l'un des meilleurs ingrédients naturels qui lutte contre l'acné car il efface de manière définitive l'acné. En tout cas, pour éradiquer tout problème de pigmentation et d'hyperpigmentation ainsi que les taches sombres ou noires, alors la crème au gingembre est votre solution, mes chéris. Maintenant, comment allons-nous utiliser notre crème au gingembre? L'utilisation est très simple. Nous devons masser doucement cette crème sur le visage et le cou en faisant des mouvements circulaires pendant environ 30 à 40 secondes afin que la peau absorbe le produit. Pour de meilleurs résultats, utilisez-la 2 fois par jour. Une fois le matin et l'autre le soir juste avant d'aller vous coucher. À partir du 7e jour, vous allez commencer à avoir les résultats sur votre peau. Bien mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette extraordinaire vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, un max de likes pour Marie-Léonie Coach. Surtout, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas la petite icône là en forme de cloche de notification. Comme ça, vous êtes sûr que vous recevrez toutes mes publications au quotidien. Mes amours, je vous souhaite de passer une excellente matinée ou alors une excellente soirée selon que vous regardez cette vidéo. Surtout, passez le dimanche en famille. C'est très important parce que toute la semaine, on est toujours en train de courir. Alors, il faut profiter du dimanche en famille. Vous savez que votre santé me tient à cœur parce que j'aime vous savoir en santé. Alors on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.